Bon, la semaine sous chaîne Second Cat, madame, messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Mes titres, cap dominique actualité à. Trois moun mouri, parmi yo, policier Fritz, Gérald, Sanon, samedi, nayon attaque, bandit na Delma 32, d'après porte-parole PNH là, Gary Desrosiers. Bandi 400 Marozo, nan quoi les bouquets libérés dimanche dès nan 17 missionnaires yo te kidnappé yo, depuis plus passé yon mois. Responsable Fédération Organisation Femmes pour Égalité Droit Moun, Fédofé, dit yo gen kes ou te face à gros difficultés femmes yo genyen, et spécialement femmes enceintes yo, nan République Dominicaine. Groupe Cap Apié rapatrié ak réfugié gare dénoncé mauvais traitement citoyen haïtien, absibi en bas main autorité dominicain yo, nan moment yap voye au tourné nan pays yo. Dirigeant Organisation Kè pou changement timoun kap viv nan mal cité en Haïti yo, OCCEDH di yo indiyé à cause droit timoun yo responsable, yo pas suspend passé en bas pied. Et puis l'autre bord de l'eau aux États-Unis pour pipiti sek moun mouri, ayé dimanche lan nan yon accident côté yon machine entré sou yon foule pendant yon défilé Noël. Gen l'autre moun ki blessé. Rete ak nou pa déplacé n'ap tounen. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Madame, messieurs, trois moun mouri parmi yo policier Fritz, Gérald, Sanon, samedi nan yon attaque bandit nan Delma 32, d'après porte-parole PNH la Gary Desrosiers. Inspecteur Desrosiers fait konnen défaillant quitté nan 28e promotion police la, te gagne un rapport contre li, comme quoi li te abandonné poste li. Li te nan police frontalier, polyfronte, d'après Gary Desrosiers, qui pat bay précision sous circonstance attaque la. Bandit 400 Marozo yo nan kwa debouke libéré dimanche dé, nan 17 missionnaires yo te kidnappé. Depuis plus passé yon mois, ces responsables congrégation religieuse qui confirmait information côté au fait qu'on n'a pas kabay aucune précision sous identité des moun qui la gayo ni qui côté yo yé. Yo mandé tout moun qui gen information sa yo pour pas bay yo dans l'idée pour capable protéger missionnaire yo. Cependant, responsable congrégation a déclaré des anciens otages en sécurité, apparemment yo ta en bonne santé physique et morale. Ces 16 américains à qui un canadien gang 400 Marozo te kidnappé dans commencement mois octobre là alors que ou t'apprend prend avion pour entrer dans pays yo après ou t'es fin visiter yo orphelinat dans commune Gantier. Bandi ou t'es mandé yon million dollars pour Green Moon pour t'es capable libérer yo. 12 novembre passé, numéro de gang 400 Marozo yo mouri après elle t'es blessé dans boucante écoute zam ak la police n'ayant patrouille. Gen plaisir dans gangster yo qui t'es blessé. Responsable Fédération Organisation Femmes pour Égalité Loi Moun, Fédofé di yo gen kes sauté face ak gros difficultés femmes yo gagnent et spécialement femmes enceintes yo dans République Dominicaine. Présidente Estrictissa Novia Augustin mandé autorité yo prend disposition pour défendre droit compatriotes nous yo dans République Dominicaine. Pendant temps ça, madame Augustin mandé intégration femme yo dans poste décision yo en dans l'état, li parle tout sous problème gaz la gouvernement doit résoudre définitivement dans pays ya. Novia Augustin en micro Esdra jeudi ak Makerson Mixil. Nous bouquet tande femme enceinte ap mouri l'hôpital parce que pas gen gaz. Pendant kay voisin y a maltraité yo pire. Nous bouquons ouais gens jeunes nous yo qui soif connaissance pas qu'à joindre bon gens conditions pour y aller l'école. Depuis la nuit des temps, femmes toujours à faire face à toutes sortes de violences et toute vie c'est un combat constant. Et nous toujours été fortes pour une bataille pour nous bénéficier de droits fondamentaux nous yo. Mais en Haïti, droit nous exister seulement sous papier. Nous pas croire dans violence. Nous préférons prioriser l'homme de la dialectique. Mais nous ne pouvons pas décourager parce que nous continuons à parler jusqu'à ce que nous attendions. Faut que les femmes jouent bonnes conditions de santé, un climat de sécurité pour qu'elles puissent vaquer à l'occupation. Elles mettent nous dehors dans tout espace décisionnel pendant qu'elles prennent des décisions néfastes pour le pays. Puis loin, Mme Augustin fait connaître l'été signé un accord en septembre parce qu'elle était bien bon genre disposition qui t'apprale. Respecter quota femmes là et puis établir bon genre sécurité en dans pays en demandé premier ministre Ariel Henry commencer appliquer à quoi en côté une autre fois Novia Augustin en micro Esdra jeudi ak Makerson Mixil. Nous te signons accord parce que nous te wè nan accord des points qui te ka résoudre quelques problèmes tant qu'un gouvernement inclusif gouvernement ça t'a permettre un apaisement social
yon gouvernement qui t'a tenu compte de quota femme dans chaque nomination l'a bien pour le faire. Yon gouvernement qui t'a pral créé un climat de paix et de sécurité. Nous t'a bien nouveau CEP qui t'a permettre élection faite et dans élection ça yo nous t'a bien des élus légitimes qui pour défendre femme actifio dans niveau national ou international. Comme nous connaît 85% économie informelle là reposée sous dos femmes. Nous exigeons un climat sécurité établi dans le pays pour les femmes qui continuent de manger la caille et puis faire éducation petite. J'ai une situation pays est là. Mesdames, vous avez pile de difficultés pour prendre soin de la famille. Ça qui pousse la majorité de petites femmes à aller dans la gang pour survivre. Groupe Cap Apiye rapatrié ak réfugié gare dénoncé mauvais traitement citoyen haïtien ap sibi en bas main autorité dominicain yo nan moment y ap voye yo tourner nan pays yo d'après responsable communication gare la Joseph Mike Lizias avant yo traverser frontière migrant yo pa joine côté pou yo dormi yo pa ba yo possibilité pou yo baigner et gen femme qui même sibi violence sexuelle militant droit migrant yo confirmé gen femme enceinte la police ak milité dominicain prend soit dans la rue, soit à l'hôpital, et puis elle mettait yon en prison pour voyer yon tourner. Plus explication avec Joseph Mike Lizias, qui t'a participé dans le journal Pacifique Matin, lundi 22 novembre 2021. Oui, effectivement, toujours bien rapatriement capifèque sous frontière, toujours bien migrants haïtiens que la République dominicaine a pu voyer venir dans des conditions qui vraiment pas conditions qui t'a supposé traiter le monde. Par exemple, nous avons une femme enceinte que la République dominicaine prend soit à l'hôpital ou bien dans la rue ou bien dans le marché, ou prend yo et puis aller mettre yo dans des centres d'incarcération avant que vous venez en Haïti. Et pendant que vous êtes dans le centre d'incarcération, vous recevez un pile mauvais traitement, côté que vous à peine bah, de quoi vous êtes capable de manger. C'est pendant que vous arrivez sous frontière, vous avez expliqué nous toutes les péripéties que vous passez en dedans de ce centre-là, et côté vous pas joindre des bloc que vous baignez, vous pas rien de plus changer, que nous-mêmes avons essayé de faire des nouveaux rades de plus que vous êtes capable de mettre, pour vous faire un espace pour vous capable de baigner. Pour dormir en tout, en pile là, il décrit que c'est juste il a gué dans l'espace en dedans, il sent là, dans une cellule, sans rien. Même les mousseaux 14, il va gagner pour mettre à terre pour coucher. Que ce soit garçon, que ce soit femme, que ce soit femme enceinte, que ce soit femme qui a baillé Timoun Tété, que ce soit Timoun, c'est dans les mêmes conditions, c'est le même traitement que vous recevez. Il y a un pile dans mes dames, dans le moment où il y a un rapatrié. Qui subit violence côté au fait attouchement sexuel et sous mesdames yo qui expliquait que des agents migration qui sous prétexte que a fait fouille mais dedans soutien yo profiter ou les tétés yo fouille mais dans culotte yo qui dit que des agents migration qui introduit plusieurs doigts dans boubou yo dans moment a soi-disant fait fouille pour le capable si vous pas l'autre objet sur vous ou bien si vous avez comme sur vous. Mais c'est des situations, c'est des conditions de traitement, c'est des traitements qui sont vraiment inhumains. Yon autre bord, gars critiqué autorité migration République Dominicaine qui pas quitté migrant yon prince affaire yon en vain yon déporté yon. D'après M. Lizia, c'est quelques organisations qui recevoient moun sa yon sous frontière yon et puis pote aide ba yon et puis permettre yon jouen assistance ka yon mérité. Il est revenu sous frontière, il n'y a pas rien dans main, parce que c'est des gens qui prennent, j'ai dit tout à l'heure, dans la rue, dans le marché, dans le centre hospitalier, il n'y a pas de possibilité pour récupérer rien la caillou. Il y a juste vous et vous libre à balancer, côté que ces organisations qui sont sous frontière, qui ont recevoir, qui permettent que vous hébergez dans un centre, côté que vous plus ou moins passer une nuit, entre guillemets, confortable, qui permettent que vous venez en plein chaud. Pour être capable de manger, je vais faire un nouveau rad pour vous mettre sur eux et puis permettre aux jeunes assistance médicale ou bien psychosociale tout pour permettre que les gens lui-même, les gens qui ont subi un touchement sexuel, les gens qui ont subi attentat, tentative de viol, pour être capable de joindre un monde qui parlait avec eux, pour être capable plus ou moins de surmonter le moment difficile ça que vous vivez. Mais c'est vraiment écœurant, c'est vraiment révoltant. Comme situation que les Haïtiens eux-mêmes vivent actuellement en République dominicaine, surtout, et ça, ils ont pris et ils ont venu dans la condition.
Dirigeant organisation Cap pour changement Timoun Cap vive normal city en Haïti yo OCCEDH dit yo indigné à cause droit Timoun yo responsable yo pas suspend passé en bas pied. Chris Lee Lucas qui c'est présidente organisation a dénoncé tout zak violence parent yo a fait sous Timoun yo tout la caillou particulièrement tifio militant droit moun la mandé autorité concernée yo prend responsabilité yo pour permettre Timoun yo joui droit yo en côté déclaration dans micro Vladimir Prédville ak Makerson Mixil. Donc nous mandé Timoun yo est-ce que avenir yo vraiment garanti, est-ce que nous ka di on Timoun haïtien bon parent on moun ki seul m'ap gade on Timoun. Des fois c'est une pi gwo questionnement qui gagne ces derniers temps par rapport avec gens que pays a avancé. Grand pile monde qui dit qui a venu pour petit main là dans pays comme ça là. Ça gagne tant cala gagne pied yo, c'est domaine yo aller, ça pas cap qui a qui te gon bout de visa yo aller. Mais est-ce que pas capable aujourd'hui? Est-ce que n'a quitté au perdu ou bien est-ce que nous toutes n'a metté main dans patte là pour nous river sauver ti monde ça? Nous même au niveau de Oxed qui c'est organisation locale, nous engager, nous nous faire plaidoyer auprès de instances internationales. Nous engager, nous nous faire plaidoyer beaucoup d'autorités étatiques pour nous dire aujourd'hui la situation Timoun yo li alarmante. Donc aujourd'hui nous pas qu'à parler de convention que Haïti signé. Pendant ce temps nous connaît que en pile nan droit Timoun sa yo a violé. De l'autre côté, Chris Lee Lucas mande autorité yo pour yo tanmen yon campagne sensibilisation dans l'idée pour combattre dérive qui gen la société dans affaire droit moun, particulièrement droit Timoun yo. D'après li, toute valeur yo fin pèdi dans société ya, ça la cause gen crise toute qualité dans pays. Haïti nous retrouve dans état d'urgence. Pour que chaque monde jodi a la nous doit prendre conscience pour nous dire que le pays n'a pas arrêté comme ça. Et si nous ne passons pas par Timoun yo, en passant par les adolescents, jeunes, ou est-ce que nous vivons jodi a la, c'est peu de choses, c'est beaucoup rien. Ça, c'est trois quêtes là, je nous toujours dit là, chaladé. C'est la raison ça qui fait que nous-mêmes, au niveau de Oxed, nous pas seulement rester là pour nous parler, pour nous dire, mais nous poser action. Permettre à ce que nous arrivions sensibiliser la société à plus sous problématique Timoun, sous problématique jeune. Jean que le proverbe a toujours dit, Timoun jodi, grand monde demain, il faut que nous commencions le travail pour nous préparer. Bonjour, grand monde. L'autre bord de l'eau aux États-Unis pour pipiti 5 moun mouri ayer dimanche là dans un accident côté une machine entrée sous une foule pendant un défilé Noël. Gen l'autre monde qui blessé, c'est dans Waukesha dans nos États-Unis drame ça arrivé d'après la police. Autorité yo dans Wisconsin dans nos États-Unis a essayé comprendre jeudi lundi en circonstance accident. Sur page Facebook département police dans Waukesha fait qu'on est bilan capable vin pilou. Chaque année responsable yo toujours organisé parade Noël ça dans la localité A. D'après témoin, la machine nan te paraît derrière un groupe musicien l'école qui tape défilé. Gen plusieurs timoun machine frappé non accident ça. Responsable yo parlé des 11 grands moun ak 12 timoun yo te mené l'hôpital. La police joigne yon machine qui suspecte parce que chauffeur a pas de campé et gen yon enquête yo l'ouvri sous dossier si là. Mais gen yon moun la police arrêté. Journal La Boutte, madame, messieurs, nous invitons à rester branchés Télépacifique pour reste programmation.